c'est un coup de tonnerre dans la famille Delon. Pour nos confrères de Paris Match, Anthony Delon, le fils aîné de l'acteur français, indique avoir déposé une main courante contre sa sœur, Anouchka. La raison? Elle ne m'a pas laissé le choix. Ma sœur ne nous a jamais informé mon frère et moi qu'entre 2019 et 2022 mon père avait été soumis à 5 tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse et qu'il n'en a réussi aucun, confie-t-il précisant que l'ancienne dame de compagnie de son père, Hiromi Rollin, avait accompagné son père. Anthony Delon accuse sa sœur de lui avoir caché ses résultats, pour des intérêts personnels dont je me fiche aujourd'hui. Le fils aîné d'Alain Delon a bien du mal à comprendre les agissements de sa sœur. Durant plus de 9 mois, ma sœur m'a retenu d'intervenir, je comprends maintenant pourquoi, j'ai donc déposé cette main courante pour laisser une trace, et aussi parce qu'une personne qui est capable de manipuler sa famille et de lui mentir comme elle l'a fait est capable de tout, lâche-t-il. Celui qui a déposé plainte contre l'ancienne dame de compagnie de son père dévoile la façon dont il a pris connaissance des tests que son père a passés. Ce n'est que fin septembre que mon frère et moi avons découvert l'existence de ces 5 tests, suite à une indiscrétion du médecin qui pensait que nous étions au courant. Toujours selon les dires d'Anthony Delon, Anouchka aurait prétendu n'être au courant que d'un ou deux tests, l'un pratiqué quelques semaines après l'AVC de juillet 2019 et l'autre 6 mois plus tard, arguant qu'à l'époque elle était préoccupée par sa grossesse, son fils Lino est né en février 2020, et que cela lui était complètement sorti de la tête.